Donc waf waf me me. Vous l'avez pas vu, c'est tombé depuis le temps. Ah oui, c'est vrai, je l'avais attaqué dans le dos. Chance de vous toucher 72%. Ok. C'est Ok, marrant. je suis là. Ouais. Non, je regardais. Je regardais, on peut voir la bienveillance par rapport aux autres persos. Du coup, je regardais avec si j'avais de la bienveillance avec toi, mais non, j'en ai à zéro. Ah oui, c'est vrai, tu parles. Le dialogue avec le faux, il était marrant. Tu peux faire celui avec Ifan aussi. Je l'avais fait, il y avait rien de particulier. Désolé, je suis avec quelqu'un. After all that's just happened, you look around at those who divinity has eluded you so far. But humanity, humanity beats. Who knows what lies ahead for you, for your companions? Your quest failed. The void is growing Donc en fait, stronger. on The n'avait pas call is envie done. de faire mieux connaissance avec qui que ce soit. Ah oui, d'accord. Perhaps they feel it too. Si je lui réponds là 1, il va dire non, je suis pas intéressé. C'est ça? Ifan grimaces, and with you. Mais vous, non merci, je suis très bien où je suis. Non, je sais pas, parce que si j'étais avec une femme, il aurait peut-être pas refusé, quoi. Je peux aller lui parler. Bon. Ah bah pas non. Une petite allée me faire foutre, ta gueule. Non, seule une bromance est liée avec Chinoiru, c'est tout. Mais du coup, attends, tu peux. Si tu le fais avec le fauve, il se passe quoi? Bon, je suis pas très abrité, c'est une petite tranche. Mais c'est quand même pour Who l'expérience. knows what lies ahead for you, for your companions? Your quest failed. The void is growing stronger, and the Chino hall qui a is quand même tenté dark. son coup, on sait jamais. Hein. The need for some affection. Perhaps they feel it too. Allez, ose. Si ça se trouve, il va dire non. Hein. Il va dire vous. Oh? Well, Ah. I think about you a lot too, lass. I mean, I kind of have to, and all given the circumstances. Ah oui, la Maybe suite I de la don't disque. have to do. Ah oui, d'accord, la première proposition, Tu veux que je prenne Est-ce que vraiment ça va jusqu'au bout? Il se passe quoi si tu réponds? Est-ce qu'il va dire oui? Bon, je vois, une fois je me suis fait enlever tout mon équipement, puis je m'étais fait Ah, mais c'est le attaquer. fauve, tu le connais, on le connaît depuis 78 heures. Au bout d'un J'avoue, moment. j'ai un peu traumatisé depuis cet Oh putain, mais événement. la 1 et la 3, c'est horrible. Lui lancer un sourire narquois et lui dire que vous voudriez bien voir ce qu'il cache sur son armure. Just look at you. Beast fiddles with his beard. Euh. Chinoiru seems glued to the spot. Euh. Je savais pas que ça. C'était. Il y avait une ambiance comme ça. Hein. Wood creaks and groans. Instead of leading you below decks, you feel the presence of the ship recede, offering you the total privacy of a moment alone with your companion. Ah. Ah mais il me raconte son histoire en fait. Ah, je peux pas le faire. Spoken to Malady yet? Zip. She said to talk to the lady. Ok, faut parler à Maladie. Après sur Malster Kate 3, tu as des trucs comme ça aussi genre. Ouais. Sauf que dans Baldur's Gate 3, ben, deux personnages du même sexe peuvent avoir la scène. Bon, je peux attaquer un fantôme. Ça dérange personne si je tue un fantôme? Ah non, je peux pas tuer un fantôme. Tu peux tuer un enfant? C'est juste pour l'expérience, hein. Ah! Oh putain! Ah ouais, mais elle est level 3. Je peux voir une amulette unique, mais elle est que niveau 3, donc
Bon, je vais pas pickpocketer un enfant de 3 ans quand même. Enfin, si je pourrais, mais... J'étais quand même tenté, hein. Ah, mais c'est Bill. Ça se passe bien avec le fauve? There we have it. You have what you hoped for. Forsake me now. Go hence, and should you find the one I hunted, unite his heart from death. Let me be death. D'accord. Beast presses his hands on your corset. I mean, ain't that the wonder of it? I'm prepared for most anything. The under this here. This is special, precisely. He nuzzles even closer. Ah ouais, il y a une autre ambiance là. Il y a une autre ambiance là. Qu'est-ce que tu fais? C'est Bah, moi qui espionne. ouais. Shinaru qui peut. Je sais pas ce que tu es en train de faire dans le bateau, mais. Ah, Shinaru, non, il parle aux esprits donc. D'accord. Ah ouais, le premier dialogue il est très. Très Oh, subtil quoi. c'est pas le premier. Ah, mais j'ai commencé qu'à lire. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Vous éventez. Ah, j'ai compris, vous éventrez. Je me dis, ah ouais, d'accord, c'est hardcore quand même. Ah ouais, l'ambiance est. Non, mais je n'ai pas envie de remettre mon équipement. Après, me l'enlever ça, c'est me l'enlever le reste. Ouais. Let's go. C'est le seul qui se passe. Ah ah. Tu laisseras ça à ton... Je te laisse ça à ton imagination. Oh shit! Bon, tout ce qu'il faut Moi, retenir. Je vais garder mon équipement, j'espère. Je veux pas dire, mais autant sera lié avec un ours en palais. L'ambiance est bizarre, hein. L'ambiance est bizarre dans le groupe. Ça veut dire que si j'avais pris une femme, Shinaru aurait pu finir. D'accord. Bah, dommage, Shinaru. Hein. Tu finiras avec tes regrets. Hein. Tes os, hein, chinois. Hein. Machine. Hein. Une autre. Tu pourras tirer ton coup sur le bateau. Hein. Non, j'ai pas envie de te parler. Je parle pas au bateau. Je suis raciste envers les bateaux. Je vais même te tuer, tiens. Je peux pas te frapper. Voilà. Bon, je te laisse parler au PMJ avant de. Je peux lancer une grenade sur les esprits? Non. Bon. Je me disais aussi, c'était quand même un peu pété. Pas de maladie. Maintenant, je vais te tuer. Je vais te tuer! Bon, j'ai fait ramener maladie. J'ai ramené la maladie. Et maintenant, je vais la buter. Comme ça, on va se bloquer ici tout à. Allez, level 16. On est niveau 17. Ah ouais, non, on est level 16 aussi. Ce personnage n'a aucun talent. Bah, c'est sympa pour elle, en tout cas. On a tout en intelligence, en mémoire et en perception. Je sais pas ce que tu où tu te promènes, mais tu. Ah ouais. T'es arrivé quoi là? Je pourrais très m'en foutre la merde, mais je le ferai pas.
J'aurais tellement pu mettre puanteur et Shinaru vu que c'est un voleur. Ça aurait été marrant. Un Shinaru qui pue quoi. Putain, j'aurais pu mettre maître de l'évasion. Vu que c'est un puce, vu que j'avais fait en sorte qu'il soit peureux quoi. Alors sache que j'ai toujours l'item qui one shot qui peut one shot un ennemi. Hein. Ouais, alors fais gaffe à ce que tu dis si t'as pas envie que je te tue. Hein, pas maintenant, hein. Je sais pas à qui tu parles, hein. J'aime pas les gens qui me disent repasser plus tard. Hein. Désolé, je peux rien faire pour vous, repasser plus tard. Vraiment Shinaru c'est vraiment le c'est l'autiste du groupe hein. On a bien compris qu'il n'était pas comme les autres hein. Voilà Shinaru ça compte dans continue à mettre des trucs sur la tête de mannequin juste parce qu'il se fait chier quoi. Shinaru 50 ans en train de se beurrer et en train de s'enculer à la 8-6. Je vais te voler un tableau. Ah oui. Allez, santé! C'est pour t'as fini ce que t'avais à faire ou. Ouais, Shinoru il est bourré. Oui, pour ça, je m'étonne pas. Mais. Il attaque tout le monde dans le sur le bateau. En vrai, c'est peut-être un. Ça, y a un intérêt hein, de combattre bourré. Hein. C'est même pas mal en vrai. It's written all over you. I've had some time to think, and there's a. I doubt you've forgotten the death of Maester Siva. She swallows hard and closes her eyes. She and I had a deal, you see. A deal that's now quite. Op the details aren't important now, it's just. Never mind. Another entangling alliance. But I won't be able to dis. So. Are we? Allies, that is. The details are detailed, so. That's something I don't. Moving on, I found out where Dallas is heading. There's a great city not far from Driftwood, Arx by name. You'll need to find her and take back what she stole. Dallas, or any of the others for that matter, cannot be allowed to use the powers of the gods. She doesn't understand what must be done. She doesn't understand how to rule. Given the alternatives, I consider you. It's quite simple. Ah, considère Shinaru comme le meilleur espoir de quelque chose, c'est comme marcher avec une jambe en moins. C'est pas trop adapté quoi. On parle quand même du mec qui pense qu'à picoler et se battre avec des gens et des animaux.
Oh la drague. When I look in the mirror, I see Balin. When the time comes for you to ascend, remember my face. Remember that despite any. On peut la tuer maintenant? Mais qui rien comprend rien. Balance to the world. You have done as good as the seven. The seven are gone. Slain by their god Woken, slain by you. You have the potential, the obligation even, to do better than they did. To create a better. I know what evil is, god Woken. I've seen what chaos can do. It now. There's little time to spare. Shall we go? Allez, en route. Lucky for you, I'm on your side. Captain Malady. Je suis prêt. Vous avez grand chose à faire ici. À part baiser le phobe, bah tu n'as pas fait. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Il faut parler au esprit. Je pouvais tuer le lézard qu'il y avait avec nous. Ah, on n'a pas son permis de bateau. Alors connasse, on n'a pas fait son petit peu son permis bateau. Ah non, moi franchement sur Airbnb ou Trapper Vivant, je vais dire 0 hein, sur vraiment. Hein. Le voyage en bateau il était désastreux. Hein. On a risqué notre vie plus de 3 fois à cause de cette connasse. Franchement, plus jamais. Hein. Maladie, bah je comprends le pourquoi elle s'appelle maladie, un vrai poison. Hein. Le mec qui est complètement fou. Hein. Bon, Chine, tu peux refermer ta gueule là. Ou... Voilà. Tout le monde te déteste, même Ifan ne veut pas de toi. C'est quand même triste. Hein. Après, au niveau femme, il n'y avait que Sébille. Ah non, il y en avait une autre, Louze. Ah. D'accord. Montrez le bas. Prenez ma main, maladie. Pour mieux vous jeter par terre, comme ça, au moins, je vous dirais. D'accord. J'ai pas écouté ton liste. This is Arx. This is where Dallas has bled with the powers of the gods. This is where the path to divinity leads. On doit aller la chercher où? This is as good as mine for once. If it were me, I'd start with the divine. Ah bah cool, des magisters. Last I heard, there were plenty of magus. Dallas must be stopped. She has stolen the powers of the seven. You need to get the Aetherian back if you're to fight the God King. D'accord, très peu pour moi. Hein. Aux histoires de Dieu, mon coeur l'oignon. Hein. Moi, je veux juste de la binouze et c'est tout. Hein. Tu vois des trucs? Non, reviens là. Elle est où, Dalice? Putain, mais t'écoutes quand on te parle? Non. Ah bon, ça se voit quand j'écoute pas quand on me parle. Des champignons! Métal. Hop là, on est le roumain du club. On est le roumain du groupe. Quoi, t'as mal au cul? Bah écoute, je peux te foutre quelque chose de plus long dans ton cul si tu veux. Le mec hyper désagréable. La poussière de... Oula. Ouh. Allez, Chinois, ramasse de la... Ramasse de la cocaïne là. Des écureuils. Le gland suprême est arrivé. Ça parle de quelqu'un. Bah je sais pas. Le gland suprême, mais c'est qui le gland suprême? Vous parlez de chinois ou? Ouais, parce que. Si on parle de Shinaru, oui, c'est un sacré gland. Hein. Ah ouais, il y a de l'ambiance là dans cette ville.
Sacrée ambiance dans cette dans la ville, hein. Il y a un bateau qui crame. Aller voir ce qui se passe. Non, c'est plein de... c'est des problèmes. Moi, j'ai pas envie d'y avoir des problèmes. Je suis déjà on est arrivé ici par effraction. Tiens, t'as un ami à qui parler. Ah bon, Akira? Je sais pas, là, t'as une... un cerf. Il parle... Je parle pas le cerf. Bambi! D'accord, je vais le buter le cerf, il m'a mal parlé. J'ai horreur des animaux qui prennent de haut. Je vais te buter le cerf, viens là. On va faire le remake de Bambi, tu connais Bambi? Ok, je vais te buter, sale cerf de merde. Là, il y a tes... Pourquoi je t'entends tonner à coup? Pourquoi tu tues le cerf? Mais il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a pas fait plutôt? Il m'a manqué de respect. Je me fais pas manquer de respect par un cerf. Hein. Ça y est, Shinoru s'embrouille. C'est le retour de Shinoru l'embrouille. C'est Shinoru qui s'était pris la tête avec un corbeau. Le retour de Shinoru, il les embrouille. Non mais il m'a rien fait, c'est pas ma bataille. Ifan qui est en mode putain, mais pourquoi je suis avec ce tocard là? Il s'embrouille avec des animaux quoi. C'est vrai, je continue ma route. Ifan qui se dit bon putain, il s'est encore embrouillé avec un animal. C'est quoi? C'est le troisième avec lequel il s'embrouille? Bon, on a l'habitude. Vous direz les embrouilles d'un mec bourré quoi. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre coup, je me suis battu avec un cerf. Viens là toi. Je pense que tu peux fiole, voilà. Voilà. Ouais, bon, je te laisse t'amuser avec tout ça. Moi, je fais des trucs un peu plus intéressants. Ça, est-ce que t'as gagné l'XP? Même pas. Donc ça n'a servi à rien. Une peluche d'ours. Quoi? De raconter ta vie, Shinoru, là. Ah, une bourse. De l'argent. Mais ramasse la bourse, là. Ramasse la thune. Fais ton clochard, là. J'arrive. Je crois que je me suis perdu. Je trouvais des pèlerins, elle. Téléporte-toi sur moi. Je peux les tuer ou pas? Non. Ah. Ah, par contre, t'as rien dit pour le cerf. Hein. Quoi? Le cerf que j'ai buté là, par contre, lui je l'avais droit quoi. T'en as où ma pierre? Salut. Bon, y'a rien de terrible. Putain, j'ai la pierre d'Ifan. Hein. Ah, j'y peux ranger mon argent maintenant, j'ai volé une bourse donc je peux ranger l'argent dedans. Sympa. Elle est où la pierre là? Que j'en trouve. Putain, mais je...
Putain, mais mon inventaire, c'est tellement un bordel que je retrouve pas mes pierres. Après les parchemins. Bon, là, je suis pas au choix, mais je risque de me faire agresser. Bon. Un lézard mort. Ce que je fais, je remplace mes potes sources. Ça, je crache pas dessus. Je pense savoir où il faut aller. Ah bon, c'est où? Bah là où tu te diriges. Je crois qu'on va frapper attaquer un truc qui s'appelle un kraken. Hein. Ah. Oui, il y a anneau. Ouais, parce que t'as eu porte-bonheur. Putain, mais je trouve pas mes pierres dans mon inventaire. J'ai tellement de bordel dessus, dedans que. Ah, j'ai un amulette à expertiser. Ah, c'est bon, je les ai retrouvés. C'est bon. Oula, il y a ma chapisseur là. Quoi. Ah, neige en jetant abyssal du néant. Je peux peut-être l'attaquer avec Ifan. Hein. Et t'en as un autre de l'autre côté. On l'agresse? Bon, je crois qu'on a pas trop le choix en fait. Enfin, non, allez. Oh! Putain, non, agresse-le pas. Mais... Bah, il me voit pas donc je peux lui bourriner, je peux le tirer. Je peux lui tirer dessus. Non, mais. Il en regagne sa vie. Bah, faut que je le tire en boucle. Ils sont 3. Ouais. Mais il y en a un dont l'armure est un peu brisée. Ah, il ravitaillement. Ah ouais, il bouffait quelqu'un, quoi. Ils sont niveau combien? 18. Ah ouais. Un peu de retard, on a deux niveaux de retard. Quoi. Mais bon. Bon, il y en a un qui est quand même assez loin. Ah ouais, il y en a un qui a pas d'armure physique. Bon, ça va alors. Et j'ai toujours pas donné la compétence à Ifan hein, pour son loup. Ravitaillement. Ah, il bouffe des humains, quoi. Et froid apaisant, ça Yves, je crois. Ah oui, t'as... C'est quoi ce machin? Tentacule des abysses. On est censé faire quoi contre ce kraken? Ah, il est invisible? Comment ça? Connais la technique du poulet atrophié?
Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah oui, le Kraken. Beau bébé, hein. Je crois que c'est compliqué, hein. Il y a un tir de contre-attaque sur un mec qui a un poulet. Oh, le Kraken est immunisé contre forme de poulet. Bon, je pense qu'il vaut mieux se barrer, non? Très bon. Faudrait qu'on pute ces tentacules là. Ah, la tentacule qui est en face de toi. Je sais pas si on lui casse ses tentacules. Putain, il est big, le Kraken. Il est dégueulasse. Les tentacules attaquent ce qu'il y a à proximité, quoi. Putain, mais il vise de loin. Ok. Ça va se barrer. Je pense que ça va s'enfuir. Du moins avec Ifan, comme ça au moins il peut. Tous s'enfuir, je vois pas trop ce qu'on peut faire quoi, contre la sorte de l'avoir. Alors, faut se débarrasser du premier d'un tentacule, mais bon. Je peux pas charmer les tentacules.
Pas trop quoi faire. À part me barrer. Hein? Ça a visé le totem? Ah bon. Eh, salut. Ah bah non, pas salut. Le poulet n'a pas bougé, super. Il est suffisamment lent pour se barrer ou pas? Bon, il finit de se barrer. I'm the last merchant till inside the city gate. Get what you need or you'll regret it. Ouais, il est où celui qui était à côté de moi? Ah, il est là-bas. Je pense que la technique du harcèlement, faut appliquer la technique du harcèlement. Qui consiste. Je voulais savoir jusqu'où était la range. Ouais, à part un mage, bon bah, pardon de vous avoir dérangé. J'essaie de trouver un angle où je peux taper avec Kifan, mais ah, il est revenu en normal. Ah, tranquille le chat. Le plan sur Ifan est vraiment très marrant. Hein. Parce que tu le vois avancer à tâtons. Là, j'ai un angle. Je peux avoir un angle de visée. Pas des connards. Avec Ifan.
Puis je le fais fuir à chaque fois, et puis voilà, personne ne le touche. Hein. Qui va te toucher, Ifan? Personne. Voilà, il est Ifan positionné, prêt à tirer. Oh, je vais dire qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il a pris un coup? C'est Ifan. Comme ça au moins tu... Ah ouais non, j'allais dire tu peux le finir mais... Genre avec Ifan je le tire à distance, puis je vais le faire barrer et je vais faire ça à chaque fois. Bah au moins c'est la meilleure strat que je trouve avec Ifan, c'est il se met à distance. Ouais parfait comme ça. J'ai l'autre en viseur. Ah non, c'est immunité contre CCT. Bon bah, salut. Est-ce que je peux le viser? Et puis comme il est caché, Ifan, personne ne peut le toucher. Il est dans une position où vraiment... Ah quoi que, il y a peut-être un Kraken qui... Un pied de Kraken qui peut le toucher, mais c'est tout. Il est où le deuxième? Ah, il est à côté. Bah, bon attends, on bah... va le... Pour l'instant, on va le laisser en vie. Il va nous aider. Ok. Comme ça, il va aller... C'est quand même totalement pété, le charme. Et Fan, il peut se trouver un angle de vue pour attaquer l'autre en bas. Mais il faudrait que je le fasse barrer et qu'il revienne. Donc quand ce sera... Je sais pas, il y a un monde où il y a un Kraken qui le touche, quoi. En vrai, on peut... Il est faisable le combat. Avec des unités à distance, et on peut... c'est gérable. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il met de la pluie. Bon. Ouais. Ah, c'est qu'elle était brûlée, je crois. Il va où? Attends, il va attaquer le Kraken ou quoi? Ah oui. Alors, il flotte dans les cerfs. Ah oui, d'accord, il attaque le Kraken. Bah, ok, où t'as fait? Fais-toi plaisir, hein, mon gars. Hein. Faudrait que j'avance un peu. OK. Non, je le vois pas. Bon, je vais me barrer avec Ifan en vrai. Essayer de chercher un autre angle de vue. Salut! La technique du harcèlement, on appelle ça. Bah, comme ça, au moins, il meurt pas, quoi. Et puis, Assassinat, c'est tellement fort avec lui en faisant cette strat. Je vais essayer de trouver un angle de vue pour le toucher sans qu'il me voie. Il est où, je suis là-haut. Ah, il est là. Il est à côté de toi.
Ah oui, c'est électrifié. Pendant ce temps, Ifan se cache alors qu'il n'a aucune raison de se cacher. En vrai, avec Ifan, je peux attaquer un kraken, un tentacule de kraken. Bah, j'ai renversé l'autre là comme ça, il faut pas chier. Donc dis-moi si c'est ça a une importance ou pas. Hein. Je peux attaquer ouais, un tentacule de kraken sans qu'il me voie. Bah, c'est... Bah, si on peut que si on peut si on peut avoir une chance de le buter, je pense qu'il faut buter cet tentacule. Ok, je vais essayer de l'attaquer avec Ifan, sachant qu'il est hyper loin. Hein. Il est. Il... Je pense pas qu'il va se faire attaquer. Ah, j'ai encore un autre plan de vue encore meilleur. Je pense pas que Ifan serait en combat là, puis au pire il a son repli. En vrai, avec Ifan, moi je peux le pourrir à distance, je vais essayer. Je peux même viser le Kraken en vrai, je pense. Non, j'exagère. Il a un arc, hein. Il a pas une fusil snipe, Ifan. On va voir si j'arrive à le toucher. Ah non, je suis trop loin. Ouais, c'est un autre plan. Ah, c'est Ashinoro. Si je peux mettre lucidité à ton familier. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Ça, il sera encore plus puissant. Bon, je peux faire que ça. Ah, il a repris. Ah. Il est encore charmé là. Oui. Je sais pas ce qu'il fait. Alors Ifan. Des aventures folles d'Ifan hein, qui vit une aventure alternative à tout le monde. Ah non, je peux pas. Enfin, je pourrais, mais c'est en... c'est ça peut être. Alors je cherche un point pour viser à distance comme on avait déjà fait avec un ennemi. Il y a un monde où je touche. Hein. Et là ils ont fait tout. Tout a été calculé pour faire justement que... Non, c'est trop loin. Bon bah cute. Donc le maroufage ne va pas durer longtemps. Putain, mais il y a tellement de statues au familier, c'est n'importe quoi. Ah, Ifan est arrivé. Ouais, il est arrivé. Ah, le chemin. Bon. On va essayer. Ouais, l'autre, il est plus charmé.
Mais on est d'accord que les tentacules font aucun dégât. Hein. Il faut juste qu'ils cassent l'armure magique. Non, je sais pas, c'est... What? Oula. Bon, c'est trop chiant. Ah ben t'es revenu en vue. Ouais, ils mettent juste suffocation quoi. Putain, mais ils ont la range. Enfin, non, c'est pas trop ce qu'il fait là, mais il est toujours là. Trouver un autre angle. Ah ouais, d'accord. La tourelle a survécu à la sorte de la mort. C'est quoi ça? Il m'était erreur. C'est pas trop où il va. Fait que rater ou quoi? Oui. Ah non, il est... Il m'a fini par me toucher, mais bon, il a quand même galéré. Tu veux mon avocat qui se soigne en Je crois affichant des que dégâts? je vais faire fuir Shinaru, qu'il se revienne full vie. Comment ça? Ouais, j'ai hâte. Ah ouais, tout. Hein? What? Ah mais il est fou. Oui, il est parti où? Je suis non. Ah, tu l'as fait enlever tout. J'ai fait peur aux gens. Parce que j'ai attaqué le lit parce que Shinoru est devenu fou. Je sais pas ce qui s'est passé, mais par défaut, il a attaqué. Bon. Il va pouvoir revenir.
Ah oui, ça y fait de jouer. Ouais. Bah, il peut pas tout faire grand chose, donc je vais. Il va se barrer lui aussi. Voilà, mes deux persos s'en sont barrés. Attends, on va. Je vais essayer de trouver une position. Une meilleure position pour attaquer. Ah, là, c'est parfait. Là, j'ai une bonne vision sur l'ennemi. C'est ton tour ou pas? Oui. Là, je t'aurais dit de tempo. Il fait un œil en train d'arriver. Je vais pouvoir tuer le. Ah, Shinaru, il est en combat. Mais je fais comme toi, je fuis le combat. Bah, tue celui qui est quasi mort, non? Ah, bah, ils sont tous les deux quasi morts là. Comment je te. Shinaru, il est dit. Attends, Ifan, il est en combat, mais il est hyper loin de l'action. Ah, ils se sont fait choper par un tentacule parce que Shinaru est passé par un endroit où il fallait pas passer. Bon, il peut. Je vais pouvoir fuir. Hein. Les deux vont pouvoir fuir. Oh, mais les gars, c'est vraiment. Ouais, ils sont tous les deux quasi morts, il reste le prédateur, c'est tout. Toi, tu meurs. Il reste le deuxième. Ah, le fauve, il s'est barré. Lui, je vais pas le tuer, je vais le laisser à sa couille, je crois. Mais où il va? Oui, le faux, je le fais s'enfuir. Par contre, Ifan, je peux peut-être le laisser. Ouais, non, il est beaucoup trop fort pour Shinaru. Vaut mieux qu'il mette ses ailes. Hein. Je vais faire venir le golem dans le village pour foutre la merde. Je peux te voler si j'en ai envie. Ouais, mais je pense que tu y arriveras pas. Non, Attention, il il y faut a que. un. Voilà. Ouais, non. Bon, Shinaru il peut pas faire grand chose, hein, donc autant qu'il fuit. Le petit sorto, monsieur. Donc, Ifan, lui, par contre, il peut faire peut-être quelque chose. Bon, la cible est trop loin. Bah attends, il peut pas monter là. Ah si, il peut faire le tour. Je vais juste le laisser là pour l'instant. L'autre, il va monter pour nous chercher. Je vais voir le. Du coup, l'autre il est mort. Ah, il arrive l'autre. Mais wesh. Ah, mais pourquoi il est venu ici, lui? Ah, mif. Shinaru, cache-toi. On va y aller, Delph. Merde, putain, mais quel jeu de merde!
Il a bu une potion de poison. Je vais venir t'aider avec Shinoru. Au pire, tu le TP et tu le renvoies en bas. Hein. Je sais pas la vie pour l'envoyer. C'est ridicule la situation. Vas-y, c'est bon, je peux renvoyer là. Allez, ça, salut. Bon bah, Shinoru, il peut pas rien faire grand chose au corps à corps. On va lui jeter des cailloux. La technique du jetage de cailloux. On lui jette des cailloux, c'est littéralement on lui jette des cailloux. Et je me cache. Bah tu peux le bourrer mais bon vu que c'est son armure physique qui compte. Ton perso Non mais c'est pour ça que je t'ai pas le choix d'envoyer le fou pour le. Ah il pourra aller sauver ton perso quoi. Sans plutôt compromis. Et si je fais le tour, attends, je peux peut-être sauver ton perso avec Shinoru. Non, je. Ouais, il y a un monde où je peux sauver ton perso avec Shinoru, puisqu'il est pas en combat lui. Lui, il tourne autour des combats. Ah bah il. Il vient te chercher. Qui? Le. L'autre ennemi. Bon, du coup. Putain, c'est marrant. Ifan, il considère encore en combat alors qu'il est hyper loin de l'action. Bon, après, les tentacules, c'est pas le. Enfin, le problème, c'est de trouver un point. Ah ouais, c'est cité, j'avoue que ça fait chier. Hein. Après, si je fais le tour, je peux aller le chercher. Ah bah c'est bon, je peux fuir. Bah, fuis. Ah, c'est marrant ton. Ah non, j'allais dire ton familier est resté, mais non. Du coup, ils vont aller chercher Ifan. Du coup, ils vont partir chercher Ifan, mais je sais pas où ils vont. Quel chemin ils vont faire. Bon, je vais faire revenir Shinoru auprès de tout le monde. C'est trop bien. C'est marrant parce que comme ça on garde le combat en cours. Ah oui mais ça a du fun de jouer. Bah je vais faire retarder son tour. Pour voir ce qu'ils font. Non, je vais pas fuir, je vais retarder mon tour pour voir ce qu'ils font. ils savent pas quoi faire. Ils viennent te chercher, non? Ah non, parce que tu es invisible. Donc ils savent pas quoi faire. Ah, et l'autre il se soigne. Je sais pas trop quoi ce qu'on fait. On peut passer là, par là. Mon avis, de toute façon, l'invisible, c'est différent de terminer là, ce tour-ci. C'est trop ridicule. Le combat est ridicule. Ah oui, il y a un chemin là. Bah, je vais retarder mon tour. Ok, ils ont repéré Ifan.
Ah oui, il passe de l'autre côté, d'accord. Ah bah, merci de me montrer Ah non. ton. Merci de me montrer ta tête. Ah bah. Bon, tu es furtif et bon, avec le fauve, vaut mieux peut-être qu'on bouge, quoi. S'ils noirient le fauve, ils vont peut-être se prendre. Ils vont peut-être choper l'autre, quoi. Vu qu'il est quasi mort. Bah, peut-être envoyer. Ouais, je vais peut-être envoyer Shinmaru buter l'autre puisqu'il est quasi mort. Attention, opération suicide pour Shinmaru. Est-ce qu'il va tuer le péon à lui tout seul? Celui qui est en face Non, non, celui qui compte tabasser en premier. Là, je pars en opération suicide avec Shinmaru. Attends un peu avant de finir ton tour. Voilà. Et si je me cache, je mets l'invisibilité. C'est bon. Mon plan a marché. Je vais pouvoir buter ce mob avec Shinoru. Pour l'instant. Pendant ce temps, l'autre on le bourrine et les tentacules. Bah, si on a la range, bah c'est bien. Mais je pense pas qu'on l'ait. Après, les tentacules ils font que briser l'armure magique. Donc, à la rigueur, c'est pas trop gênant. Dès qu'on est débarrassé du flagellateur, c'est bon. Hein. Que je propose, ouais. Enfin, je proposais en fait. Oula, mais t'es faux avec Shinmaru. Quoi? Si tu le rates, il risque de crever. Mais Shinmaru, quoi, on connaît sa défense. Ce n'est pas autour de Shinmaru. Shinmaru est juste derrière. Pour lui. J'aurai mon assassin au prochain tour. Maximum avec Ifan. Ah, toi par contre toi t'es à proximité d'un aiguillon. J'ai l'impression ouais, qu'il casse la mur magique, mais il faut pas s'approcher trop du Kraken. J'ai curieux de savoir si on se barre tous du combat, si le Kraken il reste là et ses tentacules aussi quoi. Je pense, mais ils récupèrent toute l'armée. Ouais, ils doivent récupérer toute leur vie. Donc c'est pour ça qu'il faudra que celui qui est un peu touché, il soit. On tue quoi. On tue un défi. On tue un machin, on se barre, on tue un machin, on se barre, ouais, c'est peut-être ça la strat. Puis jusqu'à qu'on soit suffisamment loin.
Parce que le problème du Kraken, c'est sa barre de vie, quoi. Si on avait à le buter, je pense qu'on level up, quoi. Shinaru. Il reste un autre impulse sur le néant, mais il est cassé devant. Ah non, mais c'est celui que je suis en train de tuer en fait. Tu veux finir plutôt que sûr. J'essaie de le tuer, mais rien ne garantit que je le tue. Bon, bah, c'est Yifan qui va le tuer. Bah, ton familier il a du sang, donc il fait sur le physique ou sur la magie? Ok. Ton familier? Il est sans truc, c'est sur le physique. Ah merde. Parce que pour briser les tentacules. Ouais, avec Shinaru, bon bah Shinaru peut pas faire grand chose hein, contre eux, parce que s'il est trop proche, il va se faire attaquer par le Kraken. Et vu les dégâts qu'il fait, bon. Vaut mieux des unités à distance. Donc genre se débarrasser de ceux qui sont loups, qui sont proches et ensuite ainsi de suite. Donc là Shinaru à part balancer des des cocktails Molotov, il va pas faire grand chose. Hein. Ah ici il peut balancer son jouet. Ouais bon. Il s'est quand même bien pété la gueule. L'eau des habits sur le sol. D'accord. Coup critique. Oh mais c'est, ça fait que sur la machine. Ouais non, ça va. C'est gérable quoi. Vu que je connais pas sa range au Kraken, on le connaîtrait la range. On pourrait trouver des spots pour les mages et pour Yifan et le fauve, il le bourrine à distance. Shinaru peut faire qu'une chose, balancer son jouet. Oui, son jouet mécanique qui explose quoi. C'est le seul truc qu'il puisse faire. Il a 4000 10 000 PV. Bah si on le tue, je pense qu'on level up. Hein. Bah après, je pense qu'il a pas une précision de fou. Ah, le retour tu l'as joué. Bah, Shinaru. Attention, la Formule 1. Attention. D'accord. Bon. Allez, je suis site. Oui, c'est la chanson. C'est le nom de la faculté. Tu l'as tué après le tentacule. Bah, je me suis fait péter pour la faire tuer, pour la tuer. Donc du coup, là, c'est save. Je pars tellement du principe que c'est save. Ouais, faudrait. Il a combien de tentacules encore? Il y en a 3, il y en a 4. Dont un qui est quasi mort, ok. Il y a que le Kraken que je peux attaquer ici.
Oh bah. Ah non, merde, je me coucher de l'autre. Ah oui, il y en a un sur le côté là. Ah, il a pas. Il a juste beaucoup de PV en fait. Bah, il a pas de résistance particulière en réalité. Ah, oui, c'est vrai que j'ai toujours hâte, c'est pour ça que je suis pas vite. Bah, oui, quand tu fais repli tactique, t'as hâte. Ouais, donc si un perso se penche. Il est toujours en vie. Que je vois si je peux le toucher, lui. Il m'a touché une seule fois sur trois. Il l'a quand son jouet mécanique? Ah ouais, dans 6 tours. Donc vaut mieux peut-être qu'il fuit, Shinoharu, pour récupérer ses cooldowns. Puis enfin, bon, il peut se barrer quand il veut, donc... Puis bon, c'est pas eux qui vont faire des dégâts de fou, hein. Je sais pas, on peut sauvegarder pendant un combat ou pas? Oui. Parce que je sens qu'on va pas le finir ce combat aujourd'hui. En vrai, peut-être ça va être ton familier d'aller tuer celui qui est le plus loin là. Comme ça au moins on en est débarrassé. Mais bon, je pense qu'il va mourir avant. Là, j'envoie mon jouet, bon il fait 3 de dégâts mais bon il explose et quand il explose il fait hyper mal. Après Shinoharu il a pas beaucoup en invocation, c'est peut-être pour ça que son truc fait rien. Elle reste en vie mon invocation, elle marche mal. Bah les aiguilles c'est bien que sur les trucs magiques quoi. Ça brise la mur magique quoi. Ça va, ils ont pas eu trop... Je les ai fait un peu peur, mais ça va. Ils ont connu pire dans leur vie. Bon, Shinoharu qui arrive. Pour invoquer son family qui pète. Ifan. J'hésite à invoquer le loup. Sans, il a pas d'armure magique le loup. Allez. L'attaqueur, moi. Non, je l'ai invoqué trop loin. Ah, il a pas. Il résiste au feu, à l'eau, au poison. Oh, 48 partout.
Non, je vais revenir le faux. Je vais essayer de... Moi j'ai juste du coup qui nous voyait revenir à part. Ah, il a réinvoqué un truc. Il y a le jouet mécanique. Elle est morte pour l'invocation. Ouais. Regardez, je me demande si c'est pas mieux que je suis pour revenir avec et pouvoir réinvoquer mon avocation. En vrai aussi. Hein. Parce que c'est mieux qu'on se barre tous. Mais pendant ce temps, chez Noiru les... qui si peut invoquer. Le copain il sera fini. Non, t'as pas dit qu'il avait invoqué un ennemi ou je sais pas quoi. Ouais si. Comme il a pas. Il peut créer. Ah, oui. Comme ça, je mets du feu, quoi. Le théoriste. Et le pire, c'est que je peux faire ça un peu à la fini, quoi. Il y a un monde où je combats pas et je laisse mon... Je joue que comme ça. En fait, même moi, je pourrais faire pareil avec mon invocation. Je suis seul à invoquer en boucle. Parce que je peux pas en mettre deux et si j'en mets deux, bah ils explosent automatiquement. Oh, mais attends. Ah. Une récente Pokémon. Ah oui, en plus ça fait mal l'explosion. Voilà, on a un terroriste dans le groupe, c'est confirmé. Bah on joue jamais hein, le machin, on le bute comme ça quoi. Moi je vais attendre à chaque fois que j'ai mon... En fait, mais moi je peux faire pareil, je peux invoquer 10 000 tourelles, c'est genre... Plus toi t'as pas besoin de le voir pour les créer ah quoi. Non, ah non, les tourelles me mettent automatiquement au combat. Naru le terroriste. Bah ouais, j'ai pas la peine de... Je joue pas là comme ça. Hein. Après non, je crois que je lui fais aucun dégât, il prend le feu mais c'est tout. Bah j'agis pas avec Ifan hein, dans ce cas. Hein. Je vais attendre à chaque fois d'avoir mon cooldown, non, rien à foutre. Hein. Ça me permet de... Tu lui fais tes... Bon écoute, hein, t'as triché, ça va tricher comme ça. Hein. Moi c'est juste un cooldown. Hein. Bah, après je sais pas quoi faire avec Ifa, donc... Le mec qui regarde, il le regarde jouer, lancer son jouet mécanique. Il dit mais qu'est-ce qui branle à force bon
C'est quand même un peu de la triche quand même, hein. Oui. Shinwaru, le champion du monde de lancer de trucs. Bon, en vrai, je le tue, ça va prendre du temps de le tuer comme ça. Hein. Alors, je vais accélérer le processus. Hein. Bon, je vais Metal Shock et mon obligation, il ira le finir. Oh, dans un corps. Oh, encore vous, monsieur. C'est la combienième fois que vous venez là? Ils sont venus à pas quoi en fait. C'est dans tes queues. Oh, c'est encore vous. C'est quoi? C'est la 50e fois qu'on vous voit. Vous en avez pas marre, hein? Bah, je pense que ça va prendre des points de source, hein. Attends, en fait, je peux le piquer, je crois, le machin. Allez, salut. Voilà. Brûler, on n'a pas le droit. Ah oui, non, faut que je dissocie Ifan de Shinwaru parce qu'ils vont, il va le suivre. Ah, c'est marrant, le loup est encore là. Ouais. Essayez un truc avec mon invocation. Pas un monde où j'envoie mon jouet suffisamment loin pour. Pour être en combat. Tu peux faire quoi avec ton chouette? Bah, disons que lui peut entrer en combat, mais pas moi. Donc, je peux exploser sur un des deux. Enfin, je sais pas combien il a de déplacement. J'avoue, faut que je me mette de l'autre côté, en fait, pour faire péter l'autre. La reine du tentacule est énervée. Celui-là, faudrait. Une fois qu'on s'en débarrasserait. C'est quand même le combat le plus bizarre qu'on mène, hein. Du coup, c'est qui joue? T'es tôt, chouette. Ah! Non, il faut qu'il fasse 6 actions et là il en faut. Je peux faire. Ah. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, il explose au moins au feu en fait. Il est sensible. Dès qu'il y a du feu en fait, il explose. C'est pour ça que si je me mets là, et que Shinwaru. Il y a un monde où je lance mon jouet en boucle. Oh, il s'est fait voir. Ah, mais il est idiot, putain, mais il. Le pass fighting de Québec, quoi. Kikeman, bah ouais, bah, il a voulu faire le grand tour. Au lieu de faire le grand tour, il est passé par où il y a du combat. Ouais. La toile qui ne bouge pas est esquivée une attaque. Pourquoi il est en combat, le fauve? Bah, depuis tout à l'heure, il est en combat. Mais moi, je le vois hyper loin. Hein. Moi, je le vois au village. Quoi?
Non, il est à côté de Sherry. Je te jure, moi je le vois, il est au village là en ce moment. Le jeu est un peu bugué. Ouais, je le vois au village, c'est trop marrant. Bon, il y a un tentacule qui a pris un coup de froid. Le relais 4x100 mètres. C'est quand même du relais qu'on fait. Hein. Oh, il y a un perso qui se barre, on fait en sorte qu'il y en a toujours un en combat. Comme ça, il récupère jamais sa vie. Bon, on va s'arrêter là, je sauvegarde. Ouais, j'avoue que c'est ridicule. Ce combat va nous prendre peut-être 2-3 heures. Hein. C'était rigolo ce combat. C'était marrant.